En 1989, au début de l'année, mes enfants avaient quitté le nid familial et puis j'avais à réapprendre à vivre seule après tant d'années. Et j'avais vu une conférence qui était intitulée, je ne me rappelle pas exactement le nom, mais en tout cas sur les émotions. Et puis c'était Monsieur Denis Morissette qui était le conférencier et ça devait avoir lieu en janvier 90. Mais est survenu le 6 décembre 89, et vous savez que c'est la journée où mon fils est entré à l'école polytechnique et a tué 14 jeunes filles. Donc, je n'étais pas en mesure d'aller à cette conférence, ça s'entend. Mais comme j'avais déjà payé ma session, ben, j'ai dit à mes collègues, j'ai dit, voulez-vous m'apporter au moins le livre d'études, comme ça je pourrais le regarder chez moi tranquillement. Et je ne connaissais pas encore M. Denis Morissette à ce moment-là. Mais j'ouvre le livre quand je le reçois et il y avait un petit paragraphe qui relatait les événements de Polytechnique. Et moi, à ce moment-là, je n'étais pas capable d'entendre le mot Polytechnique. J'étais incapable d'entendre prononcer le prénom Marc et j'étais incapable d'entendre les mères parler de leurs enfants. Il faut comprendre. Alors, à ce moment-là, ce livre-là est resté sur ma bibliothèque pendant une dizaine d'années. C'est seulement en 1999, je me préparais à prendre ma retraite, je suis allée en Israël, et là, j'ai été vraiment touchée en Israël, dans le jardin de Gethsémani. C'est comme si j'avais vu Jésus souffrant. Et j'avais cette forte impression que j'étais pour témoigner un jour du nom de Jésus et aussi de mon histoire. Mais ce n'était pas encore la réalité. C'était comme un dépôt que j'avais reçu. Et c'est alors au retour que j'ai réouvert le livre et que j'ai fait la lecture complète de ce livre. Et par la suite, je me rappelle avoir pris rendez-vous avec vous pour la première fois. J'étais pas encore à Nouvelle-Vie à l'époque, mais j'avais pris rendez-vous avec vous. J'avais trois questions. Puis la principale question que j'avais, c'était comment puis-je concilier la mort de mes enfants et la foi? Parce qu'on fait beaucoup de promesses bibliques pour nos enfants. Puis ça faisait quand même depuis 81 que j'étais chrétienne, donc j'avais l'impression que je priais et je faisais ce qu'on me demandait de faire pour mes enfants. Et puis voilà que ma vie s'est interrompue du jour au lendemain avec deux drames. Alors, j'avais cette incompréhension dans ma tête. C'est alors que je vous ai vu pour la première fois. Est-ce que vous vous en rappelez? Je me rappelle de la première fois, mais je ne me rappelle pas nécessairement du contenu. Ce que je garde comme souvenir, c'est la charge émotionnelle que tu portais à l'époque. Et si j'avais à nommer la première émotion qui m'a frappé quand je t'ai vu, c'était la honte. C'est-à-dire comme si elle portait le poids, à la fois de la honte et de la culpabilité, de quelque chose dont on n'était quand même pas responsable. Mais c'est une espèce de. C'était un peu le stigmate du fait d'être la mère de celui qui a marqué l'imaginaire du Québec hein, pour longtemps. Et c'est ce poids-là qui m'a frappé, bien sûr, avec toute la charge de souffrance concentrée, immense. Ça m'a jamais marqué, même si je ne savais pas ce que l'avenir réserverait à Monique, qu'elle deviendrait plus un personnage public, comme on l'entend maintenant. Mais c'était vraiment cette image qui est restée marquée à l'intérieur de moi. Puis il faut dire que c'était quand même la première tuerie du genre au Québec. Et puis, les gouvernements s'en sont emparés pour faire la journée de la commémoration contre la violence faite aux femmes. Donc, ça a été un point marquant. Puis, il faut dire aussi que tout le monde était dépassé, hein, par les événements. Je crois aussi, c'est un peu ce qui était difficile, c'est quand un événement, une tragédie arrive dans nos propres vies, ça va. Mais quand elle est remémorée à chaque année, c'est à chaque fois une plaie qui s'ouvre et qui s'ouvre à nouveau. À chaque année, hein? Monique, ce soir, on présente ton nouveau livre qui s'appelle Renaître. Oui. Pourquoi Renaître? Parce qu'avant Renaître, il y avait Vivre. Hein? Vivre, c'était le journaliste Harold Gagné qui avait écrit ce livre-là. Après 17 ans de silence, j'avais accepté d'aller à une entrevue télévisée qui s'appelait comme ça, après 17 ans de silence.
Et ça faisait suite au collège Dawson, parce qu'il y a eu une deuxième tuerie à Montréal. Et c'est ce jour-là où j'ai décidé de me lever, si vous voulez, pour aller parler, parce que ça faisait au moins 2 ans que le journaliste Harold Gagné essayait d'avoir une entrevue avec moi, mais j'étais pas prête. Mais ce matin-là, après la tuerie, j'avais prié, j'ai dit, j'ai besoin d'un sens à ma vie, autrement, on peut pas vivre. Et on avait fait cette entrevue, et par après, ben, les gens nous demandaient d'écrire, si vous voulez, le livre Vivre. Pas survivre, comme beaucoup pensent, là, que j'étais en mode survie. Non, vivre. Pourquoi? Parce que moi, je crois à la vie abondante et non pas une survie. J'ai réalisé à un moment donné que mes 2 enfants étaient décédés, mais que moi, j'avais encore le souffle de vie. J'étais encore là, j'avais encore la santé, j'avais encore des capacités. Et puis, c'est là où j'ai décidé de me lever. Mais Monique, moi, ce qui m'intrigue, c'est qu'est-ce que tu as fait pendant ces 17 années-là? Comment était Monique Lépine durant ces 17 années-là? On va en parler tantôt. Moi, je dis que j'étais en silence émotionnel. OK? Vous en parlerez de ça. Silence émotionnel, c'est que je continuais de travailler parce que je devais assurer ma subsistance. J'étais infirmière, j'ai été 40 ans infirmière. Et à ce moment-là, j'étais coordonnatrice dans un hôpital, mais je travaillais seulement 3 jours semaine en pré-retraite. Donc, toute mon énergie était vraiment prise uniquement pour aller faire mes heures de travail. Quand je revenais à la maison, j'étais complètement déstabilisée parce qu'il faut dire que j'ai perdu mon fils, mais que j'avais aussi perdu ma fille. Mais toi, tu as recommencé à travailler tout de suite après les événements, 3 mois. L'assurance nous donnait 3 mois. Et puis, par après, ben, il fallait que tu ailles travailler. Oui, on n'avait pas le choix. Mais j'avais perdu ma fille aussi, hein, 7 ans après la mort de mon fils. Donc là, j'étais vraiment dans un état d'abattement. Carrément, là, j'assurais ma survie. Je ne me serais jamais donné la mort, mais j'assurais ma survie comme ça. Puis quand j'étais chez moi, j'étais complètement désorganisée. Mais quand tu dis que tu étais complètement désorganisée, c'était quoi ta vie, tes relations à ce moment-là? Les relations, j'avais pas de relations nécessairement. J'avais des connaissances que je connaissais de l'Église surtout. Et je laissais entrer très peu de personnes dans ma vie. J'étais silencieuse sur tout ce qui s'appelait polytechnique, événements de polytechnique et ainsi de suite. Mais je m'occupais. Premièrement, juste un peu avant le 6 décembre, j'avais acheté d'une infirmière une flûte traversière, et j'avais acheté ça parce qu'elle voulait aller en Europe et puis elle voulait de l'argent, donc j'avais acheté la flûte. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'étais dans mes émotions, moi j'aime la musique, j'étais quand même musicienne aussi au piano, alors j'ai décidé d'aller prendre des cours de flûte traversière. Ça me permettait de passer mes émotions, mais en musique, et non pas verbalement, parce que j'étais incapable de parler. Et aussi, j'ai commencé à faire, j'aime beaucoup la recherche, j'ai toujours aimé l'étude, j'aimais la recherche. Je me suis inscrite à des cours sur comment faire la généalogie de ma famille. Fait que pendant 5 ans, j'ai fait la généalogie de ma famille jusqu'aux origines, un grand, grand tableau, là, puis c'était comme ça que je m'occupais. Alors, je m'occupais par des choses, mais c'était toujours des choses solitaires, voyez-vous. Pour toi, ça, Denis, qu'une personne essaie de faire des choses solitaires, qu'elle coupe les contacts avec les autres, qu'elle coupe les activités, bien qu'elle continue quand même, tu sais, d'exercer quelques activités, mais tout le temps seule, ça dit quoi? Ce que je veux prononcer comme parole, je ne veux pas dire que ça s'associe, Monique pourra confirmer pour sa propre expérience personnelle, mais dans des moments de suite à des tragédies, à cause de l'impact, on voit ça aussi dans les deuils, quand quelqu'un perd un être cher, par exemple, quand des parents perdent un fils ou une fille qui se suicide, l'impact de la tragédie fait qu'ils sont presque. C'est une forme d'engourdissement. C'est un peu comme. Le mot que j'ai en tête, c'est zombie, mais comprenez bien, pas zombie dans le sens caricatural, dans le sens que la vie continue, le travail, tout ça, ils mangent, ils se font manger, ils dorment et tout ça. On est comme mais, sur un automatisme. Oui, un peu comme désincarné, un peu effectivement, sur une espèce de rapport automatique à la vie. On est vivant,
On est vivant, mais on appelle ça de l'engourdissement. En anglais, on appelle ça « numbness ». C'est comme si on est, pour prendre une expression purement québécoise, on est gelé. Mais pas gelé avec aucune substance. C'est le fait d'être là, mais de pas tout à fait être là. Parce que à l'intérieur de soi, il y a des choses qui sont gelées, les émotions. Tu parlais de son silence émotionnel. Toutes les émotions sont là. Mais une émotion, c'est quelque chose qui doit s'exprimer. On est des êtres humains, on est des êtres d'émotion. Et c'est la richesse aussi de la vie humaine, hein? Que ce soit les émotions positives comme la joie ou l'amour et tout ça. Mais c'est ça qui donne à la vie une espèce de vivacité, d'énergie. D'ailleurs, quand je parle d'une définition bien simple de l'émotion, c'est de l'énergie en mouvement, une émotion. On réagit physiquement. Alors, quand on regarde les enfants qui sont en bonne santé, ils jouent, ils chantent, ils dansent. On n'apprend pas un enfant à danser, hein, il danse tout seul. Alors, on n'apprend pas un bébé à chanter, il fait tout seul. Donc, ça, c'est les émotions qui se manifestent. Et quand arrive une tragédie, tout ça tombe sur pause, un peu comme... C'est un peu comme comment on appelle ça? J'ai juste l'expression anglaise, les breakers. Comment on appelle ça? Les disjoncteurs d'une surcharge électrique dans une maison. Tout ça se saute. Les plombs sautent. C'est une autre expression qu'on a, mais pas dans le sens de sauter les tours, de se fâcher. Mais c'est normal que quand une surcharge électrique, que ça se produise. Ce qui est pas normal, c'est que ça reste comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut replacer les disjoncteurs à leur place pour que l'électricité puisse revenir et pour que la vie puisse reprendre. Et c'est ça un peu le processus. C'est de remettre les choses en place à l'intérieur pour que la vie reprenne son cours. Donc, c'est un peu ce qu'on parlait tantôt avant de commencer la soirée. C'est ça, ce qu'on appelle un choc. Oui. C'est quand on tombe à off, en fait. Oui. C'est l'effet le choc, c'est l'impact de l'événement sur nous. Et le tombe off, c'est notre réaction au choc. Donc, c'est notre moyen de défense? En fait, il faut que ça soit comme ça, parce que sinon, la charge est tellement élevée qu'on survivrait. C'est comme si quelqu'un était sur le point d'exploser littéralement sur place. La concentration de souffrance est tellement élevée parfois que si on disjoncte pas ça, si on n'enlève pas cette... Bien, on ne survivra pas. Il y a le fait aussi que pendant les premières 7 années, suite au décès de mon fils, j'essayais de protéger ma fille. Parce que j'avais encore ma fille qui était là, puis elle avait quand même des problèmes, et puis elle avait commencé à consommer. Et puis elle ne s'en est pas sortie, hein, parce qu'elle ne portait pas le même nom que son frère. Son frère avait changé son nom et son prénom. Donc, quand elle était au collège, elle vivait les émotions. Elle ne pouvait pas lever sa main et dire « c'est mon frère qui a fait ces actes-là ». Puis malheureusement, elle s'est lancée dans la drogue. Et puis, à un moment donné, elle était aux drogues dures. Et puis, les policiers sont venus pour me dire qu'elle était gravement malade et elle est morte dans mes bras ce soir-là. Mais comment qu'une mère qui vient de vivre déjà, la charge de Polytechnique, comment qu'une personne peut vivre ça, vivre en même temps le deuil de son fils et encore avoir la force d'être la mère de sa fille? Une mère, c'est ça. Une mère, tant qu'elle a un enfant, elle va vouloir le protéger, va vouloir le défendre. Et c'est plus important que ta propre vie, je crois. Une fois qu'elle est décédée, puis que j'ai réalisé, j'avais 2 enfants, j'étais mère monoparentale toute ma vie. Et là, du coup, mon fils part d'une façon tragique, amène avec lui 14 jeunes femmes dans la mort. Ma fille, 7 ans après, meurt d'une overdose. C'est là où je me suis effondrée. Et même, je pense que j'étais en dissociation. C'est quoi ça, une dissociation? C'est un thème psychiatrique qui fait en sorte que, encore une fois, on revient à la fameuse charge, quand c'est trop lourd. On voit ça chez les gens, par exemple, les gens qui ont été abusés énormément d'enfants, que ce soit abus sexuels ou maltraitance et tout ça. C'est encore une fois, c'est un peu comme si on se dissocie de notre corps. C'est comme un peu si on sortirait de soi-même un peu et le contact avec la réalité est affecté. Donc, on est là, mais le contact est un peu comme dans la maladie mentale et tout ça, sauf que c'est un état qui n'est pas permanent, là, qui est temporaire. Mm. OK. Donc, c'est comme ça que tu te sentais, toi, à ce moment, lorsque tu as perdu ta fille, Monique? Oui, puis il fallait que je continue à travailler, c'est ça l'affaire. Dans un sens, je pense que ça m'a aidé, ça, de continuer à travailler, parce que ça me sortait de moi-même. Parce que c'est sûr que quand tu as... Ça te donnait une raison de te lever le matin, en fait. T'es obligé, hein?
Hein? Tu peux t'obliger. C'était pas le matin, moi, je travaillais le soir. Parce que le matin, j'étais pas capable de me lever. Mais encore là, c'est qu'à un moment donné, dans le deuil, tu as le choc, mais tu as le déni, puis t'as, après ça, toute la libération des émotions, puis la connaissance, c'est là le gros travail que j'ai dû faire pendant le reste des années qui m'étaient allouées. Puis quand tu parles du déni, tu vivais comment, toi, ton déni? Bien, c'est que quand tu es dans le déni, tu ne veux pas croire que tes enfants sont morts. Ma fille, elle est morte dans mes bras, donc je savais qu'elle était morte. Mon fils, je ne savais pas qu'il était mort. Pourquoi? Je l'avais entendu, oui, mais tu ne veux pas croire. C'est comme si tu ne veux pas le croire. T'sais. Puis je me rappelle que des fois, je voyais des jeunes garçons qui avaient à peu près la même grandeur que lui, la même grosseur que lui, puis je courais dans la rue parce que je pensais que c'était lui. Mais la vie, c'est assez bizarre, mais c'est par des faits assez banals qu'on réalise finalement. Oui, pas là. Pourquoi? Parce que mon fils m'apportait son lavage constamment. Puis là, j'avais plus de lavage. Fait que là, à un moment donné, j'ai trouvé aussi... Parce que tu ne l'as jamais revu, là. C'est-à-dire, à partir de l'événement de la Polytechnique et de son suicide, toi, tu ne le vois pas, là. Est-ce que tu l'as... Je n'ai jamais... J'étais pas capable de le voir. Donc... Parce que j'avais entendu qu'il s'était tiré une balle dans la tête. Ouais. Puis j'étais incapable d'aller voir mon fils comme ça. Sauf que le phénomène qui se passe dans des moments comme ça, on le voit dans plein de deuils dans la vie de tous les jours. Tu sais, les gens meurent, le lendemain, dans 24 heures, sont en crémation et tout ça, hein, ou incinérés. Et après coup, on va faire le deuil sur un vase qui contient des cendres. Le cerveau ne peut pas... L'information, même si on le sait à l'intérieur de soi... L'image, le cerveau ne peut pas processer une image qui est inexistante. Ça paraît un peu banal comme ça, mais c'est pour ça qu'il faut prendre le temps. Puis toute la tradition millénaire des deuils, où bon, nous, on n'a pas connu ça, mais dans certaines cultures, on le fait encore, où les gens sont avec littéralement le corps du mort pendant des jours. Et là, l'apprivoisement face à la perte, au deuil, à la fin, à la disparition d'autres se fait. Mais quand il y a des tragédies, où on retrouve, par exemple, il y a des gens où on ne retrouve jamais le corps, c'est beaucoup plus compliqué de enclencher le processus du deuil. Monique, est-ce que Marc a eu des funérailles? La journée où il y a eu la grande funéraille des jeunes filles qui avaient été tuées par mon fils à l'église Notre-Dame, le ministre de la Justice m'avait téléphoné ce matin-là. Juste avant la funéraille, pour me dire, « Madame, ne vous culpabilisez surtout pas. » Ça m'avait aidé quand même. Mais il faut dire que moi, quand j'ai voulu faire la funéraille de mon fils, ça a été de façon cachée. J'ai su même qu'au salon funéraire, quand ils ont su de qui il s'agissait, c'est des policiers qui étaient comme à l'accueil. Il n'y avait aucun autre corps que mon fils. Ça, moi, je ne m'en suis pas aperçue, mais c'est les gens qui étaient avec moi qui m'ont dit ça par la suite. Alors, on se cachait parce qu'ils avaient peur qu'il y ait un tueur qui vienne faire... Quelqu'un vienne se venger, en fait. Quelqu'un vienne se venger, oui. Alors, ça n'a pas été vraiment une funéraille comme on pourrait l'entendre, justement, comme vous disiez, dans le rituel des funérailles. Donc, ça a toujours été un petit peu plus difficile parce que finalement, c'est comme si je l'enterrais d'une façon cachée, là, tu sais. Et penses-tu que s'il y avait eu des funérailles traditionnelles où ce que, tu sais, la famille vient, les amis viennent et où ce que les gens viennent t'appuyer, te souhaiter leur sympathie, est-ce que tu penses que ça aurait été moins difficile si tu avais eu ça? Mais ça, tu peux pas avoir ça quand il s'agit de drame, OK? Parce que quand c'est, comme on disait tantôt, les médias viennent, les policiers sont... Tu sais, ils te traitent comme une criminelle. Moi, quand j'ai été en criminel le soir, là, qu'ils sont venus me chercher le 7, j'avais l'impression que c'était moi la criminelle, là, tu sais, d'après la façon qu'ils me traitaient. Mais c'est longtemps après, parce que j'en voulais vraiment aux policiers à ce moment-là, puis aux journalistes. Mais ça a pris un long cheminement pour comprendre que tout le monde était dépassé par les événements. C'était jamais arrivé. C'était la première tuerie. Personne ne savait comment. Puis vous savez, quand on ne sait pas comment agir en face de quelqu'un, des fois on est bête. Hein? C'est comme ça que les gens étaient avec moi, ils étaient bêtes. Puis je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, puis j'étais la même que la veille. Hein?
avant la tuerie, mais les gens te perçoivent d'une certaine façon. Puis là, tout à coup, même au niveau social, il y a une stigmatisation. La mère d'un criminel, ça, je l'ai entendu longtemps, celle-là, là, tu sais. Et puis, ça prend vraiment une dose de courage pour dire, bien, je ne suis pas que la mère d'un criminel, je suis autre chose. Et puis, il faut que tu récupères toute ton identité personnelle et que tu sois consciente de qui tu es. Toi, cette identité-là, tu l'avais perdue, Monique? Mais certains, mais tu sais, deux enfants, les deux sont morts de façon tragique par suicide. C'est pas quelque chose de valorisant pour une mère, hein? Et puis là, bien, surtout mon fils, quand il entraîne des familles entières dans le deuil, c'est quelque chose, c'est mal perçu. Ça se joue tout au niveau de la perception, hein? Parce que quand il arrive des événements, on perçoit les choses d'une certaine façon parce qu'on l'a appris comment réagir chez nous. Puis les émotions vont suivre nos perceptions et puis ensuite nos réactions vont suivre nos émotions. Alors c'est certain que moi dans la honte, je me cachais. Quand j'étais en colère, je me taisais ou je fuyais le monde. J'étais pas portée à vouloir aller faire des contacts. Parce que les gens me repoussaient, tu sais. Encore une fois, l'identité, c'est complexe. Hein? C'est pas, je dirais qu'on n'a pas une identité, on a plusieurs identités tout au long de notre vie. Par exemple, elle a perdu, en perdant ses deux enfants, son identité de mère, elle est toujours une mère, mais elle n'a plus personne à materner. Donc, il faut que ça se reconstruise, tout ça, pour que ça se refasse. Et ce que Monique a fait, puis ce qu'il fallait faire aussi, c'est qu'il faut un jour sortir de l'ombre, revenir à la lumière, et là, dans de nouvelles relations, dans de nouveaux contextes, un nouvel environnement, puis le temps qui a passé aussi, parce que là, on s'est distancé de l'événement tragique aussi, là. Et on commence à se reconstruire peu à peu, mais ça, on se reconstruit pas en un jour, hein. C'est un long processus. Parce qu'en fait, le processus de guérison, c'est un peu comme le processus de cicatrisation pour le corps. Le médecin va dire, c'est bon, vous êtes guéri. Oui, mais j'ai encore mal, puis j'ai encore un pansement et tout ça. Oui, mais la guérison est enclenchée. C'est le temps maintenant qui va poursuivre, mais on va garder la séquelle qui est le souvenir à jamais par ma cicatrice. J'ai plus mal à mon bras. Mais la cicatrice me rappelle qu'un jour j'ai eu mal et qu'un jour je me suis coupé ou un jour je me suis blessé. Et c'est la même chose à l'intérieur face à des événements comme la perte et d'autres situations tragiques comme elle a vécu. Et ensuite, Monique, après que tu as retrouvé ton identité, qu'est-ce que tu as eu à aller rechercher encore après, à part cette identité que tu avais perdue? J'ai retrouvé mon identité en 2002 quand j'ai osé me présenter devant les membres de mon église pour la première fois. C'est là où, parce qu'on m'avait demandé de dire qui j'étais, ça faisait 2 ans que j'étais comme anonyme dans cette église-là. Et ce soir-là, je me rappelle quand le pasteur Claude m'a présenté devant l'assemblée, ben là, les gens voyaient un visage et voyaient quelqu'un des leurs qui était la mère de ce tueur de Polytechnique. Et ça demandait du courage de le faire, mais c'est quand tu as le courage d'oser risquer ta vie, finalement, que c'est là où tu viens guérir. Puis je me rappelle ce soir-là, je me suis levée, puis j'ai dit « Je suis Monique Lépine ». Ça faisait 13 ans que je n'avais jamais prononcé mon nom, Monique Lépine. Je me cachais. Je suis, le verbal, c'est un verbe d'identité. Ouais. Ça décrit un état. Donc, c'est ça, sortir de l'ombre et de la lumière. Voici ce que je suis. Oui, exact. Et puis, à partir de ce moment-là, la honte est disparue, la culpabilité est disparue. Et pour la première fois, j'osais dire « Je suis Monique Lépine ». Et je me suis jamais cachée après de dire que c'était mon fils, Marc Lépine, et que c'était ma fille, Nadia. Donc, on commence à reprendre un certain contrôle de sa vie et de ses émotions lorsqu'on s'assume, Monique? Bien, moi, je l'ai fait avec le Seigneur, hein, parce que c'est là où tu me demandais tantôt pour mon livre, j'ai jamais répondu encore. Mon deuxième livre, Renaître, pourquoi je l'ai écrit? C'est un peu pour que je laisse comme un héritage au peuple québécois pour qu'on fasse un deuil collectif de cette stigmatisation
qui est dû à l'événement de Polytechnique. Il serait temps, après 30 ans, qu'on puisse voir, mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour aider les jeunes qui sont aussi troublés que pouvait l'être mon fils, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui souffrent. La souffrance, elle est palpable. On voit encore plus dans des périodes de COVID comme ça, des problèmes de santé mentale qui ressortent, des problèmes de consommation de drogue qui sont exagérés, les problèmes d'alcoolisme qui augmentent encore. Les jeunes souffrent, mais ça prend des gens qui vont les écouter, ces jeunes-là, et puis qui vont comprendre c'est quoi les émotions, pour pouvoir identifier avec eux les émotions et pour apprendre à, justement à les maîtriser et à réagir autrement. Alors, ce livre-là, c'est ça. J'ai suivi beaucoup de cours en relation d'aide. Denis Morissette était mon professeur et je m'en suis inspirée beaucoup dans le livre pour montrer quelles émotions je vivais, comment je l'ai vécu et ensuite comment j'ai pu m'en libérer avec la parole de Dieu, parce que je suis chrétienne, donc c'est par la parole de Dieu, en allant voir tous les versets qui concernaient la honte, la culpabilité, la colère, la peur, parce que la peur, elle est présente aussi, et que là, j'ai fait avec le Seigneur comme un ménage émotionnel pour dire « ça, oui, c'est vrai, ça m'appartient, mais ça, ça m'appartient pas ». Et j'ai rejeté tout ce qui m'appartenait pas, et sur ce qui m'appartenait, je demandais au Seigneur de m'aider à changer justement ma façon de réagir. Denis, ça c'était une question que je te poserais. Dans la société, il y a des croyants, des non-croyants, hein? Bon, qu'importe quelle foi que tu as, quelle différence a la foi dans la guérison, dans le processus de guérison chez une personne, homme ou femme? Oui, mais en fait, c'est une... Monique, toutes les années qu'elle était toute seule, en fait, elle n'était pas toute seule. Okay? Elle était toute seule dans le sens qu'elle s'est éloignée de l'humanité ou du genre humain. Mais Dieu était là. Et c'est la force de la foi, savoir l'assurance, la conscience aussi que Dieu est, et qu'il n'est pas juste simplement une croyance. Beaucoup de gens, bon, les gens se divisent en différentes catégories. Il y a les croyants, il y a les athées, il y a les agnostiques, et ceux qui croient qu'il y a quelque chose à quelque part, mais ils ne peuvent pas l'expliquer. Mais la véritable foi, c'est pas juste de reconnaître qu'il existe quelque chose à quelque part, c'est d'expérimenter la présence de Dieu. Et à ce moment-là, dans ce lien qui se tisse, ben on quitte notre isolement. C'est probablement la plus grande source d'espoir, puis la plus grande source d'alimentation en courage. On n'est pas tout seul. Je suis pas juste un thérapeute. Je suis un chrétien depuis 45 ans. Moi, je ne me vois pas vivre sans cette conscience de la présence de quelqu'un qui me guide à quelque part. Mais c'est pas une béquille, ça. C'est pas l'apanage de quelqu'un qui est faible, c'est un faux concept. D'ailleurs, on dit souvent la blague dans un avion qui est en train de cracher là. C'est fou comment tout le monde retrouve la foi. Hein? Il y a pas d'athée dans un avion qui est sur le point donc à quelque part, le problème ne se situe pas dans ces réactions des gens, mais plus dans le fait de s'approcher peu à peu et de découvrir. Puis parfois les tragédies là. Ça a cet effet. Bien sûr, je ne dis pas que c'est provoqué dans le but de faire ça, mais on se retrouve en tragédie. Beaucoup de gens s'ouvrent à ce moment-là à la réalité de parce qu'elles ont besoin d'avoir un sens. S'accrocher à quelque chose. D'avoir un sens à ce qui est arrivé. Ben, sinon, la vie, elle n'a pas de sens, OK? Les gens naissent, les gens bossent toute leur vie, travaillent, les gens meurent, paf, c'est fini, on passe à autre chose. La vie humaine, c'est plus que cela. Il y a quelque chose qui dépasse tout ça, c'est la transcendance, c'est la encore une fois, la réelle, conscience réelle qu'il existe quelque chose de plus, mais qui pénètre notre vie, notre existence aussi. Puis toi, Monique, cette foi-là, tu l'as eue du début jusqu'à la fin ou tu l'as déjà perdue? Dans le processus. J'ai pas perdu la foi, mais disons que j'étais pendant une longue période dans l'abattement. Peut-être pendant une période de 5 ans suite au décès de ma fille, qui est survenue en 1996. Et pendant 5 ans, je ne trouvais plus de goût à la vie. J'aurais
peut-être eu envie de me laisser mourir, mais j'avais encore cet attachement à mon Église et puis aux frères et sœurs. J'avais besoin d'aller à l'Église, même si je pleurais du début à la fin. Et ce qui a changé, parce que à ce moment-là, moi, tout le monde savait que je voulais pas de réanimation cardio-respiratoire. Puis un dimanche matin, j'étais dans un chagrin immense. Puis j'étais assise au premier rang et puis je pleurais. Puis là, tout à coup, je sentais comme mon âme sortir de mon corps, comme si j'étais en train de mourir physiquement. Quand je suis arrivée, là, j'étais pas capable de tenir ma tête droite. Je me suis appuyée sur la femme à mes côtés. J'ai dit, si je tombe, laissez-moi par terre. Je ne veux aucune réanimation. Mais vous savez, quand on est rendu au plus bas, on ne peut plus rien par soi-même. On peut plus descendre plus bas non plus. On peut pas descendre plus bas. C'est là, moi, je dis, le Seigneur vient à notre rencontre. Parce qu'il veut pas qu'on aille au-delà de ce qu'on est capable de supporter. Et puis, à ce moment-là, j'ai eu une forte impression, comme si Jésus me demandait, « Mais qui fait battre ton cœur? » Puis là, c'est une drôle de question, mais c'est vrai qu'on se la pose pas, cette question-là. On se lève le matin, notre cœur bat. Alors, j'ai dit, « C'est toi, Seigneur. » Puis j'avais deux chemins devant moi, la mort, la vie, et le Seigneur me demandait de choisir le chemin que j'allais prendre. Et c'est à partir de ce moment-là, en 2001, quand j'ai décidé, je vais vivre pour aider des gens qui, comme moi, souffrent en silence. Parce que vous savez, la société est ainsi faite. Le ministère de la Justice, par exemple, font des distinctions dans les victimes. Des victimes directes, ce sont les victimes, mettons, que mon fils a tué 14 jeunes filles. Les parents, ce sont des victimes directes, la famille. Des victimes indirectes, ce seraient tous les étudiants qui étaient peut-être avec eux au collège. Mais nous, puis ça, je l'ai appris d'une drôle de façon parce que j'ai été récupérée après par le ministère de la Justice pour faire de ce qu'ils appellent la justice réparatrice, là. Et puis là, on nous traite de victimes collatérales. Mais savez-vous que la victime collatérale, qui est le parent d'un criminel, ne peut pas recevoir d'aide? Comme les autres, parce qu'on fait une distinction, on est du mauvais côté, on est des parents de tueurs ou de criminels. Donc, nous, on n'a pas droit à l'aide, même si on a payé nos taxes toute notre vie, même si... Même si toi aussi, tu as perdu un enfant là-dedans. Puis, en plus que tu as la honte, hein, parce que évidemment tu as la honte. Donc, moi, je me trouvais quand même, malgré tout, privilégiée, parce que j'étais infirmière. Dans mon hôpital, si j'avais besoin, parce que tout ce qui est émotionnel se transpose dans notre corps. Hein? Puis il y a des jours, j'allais travailler, puis j'étais incapable pratiquement de bouger tellement que mon dos me faisait mal. Bien, j'avais des physios qui me faisaient un traitement. Si j'avais besoin de parler, j'avais la psychologue qui me connaissait, qui voulait me parler. Fait, je me disais, moi, ça va, mais toutes les autres personnes, vous savez que c'est pas facile de rentrer dans le système de santé, comment peuvent-elles recevoir de l'aide? Et c'est là où j'ai découvert comme ma mission, si vous voulez, d'être une écoute pour les gens qui souffraient en silence. Puis aujourd'hui, Monique, là, cet été, pendant la pandémie, on a toutes été sur notre siège là, pendant des jours lorsque les petites sœurs Carpentier ont disparu et lorsque on se demandait bien là, quelle serait l'issue de cette histoire-là. Fait que toi, Monique, lorsque... Tout comme tu écoutes la télévision, puis tu es témoin des drames qui se perpétuent, qui continuent dans la société. Tu vis ça comment, ces drames-là, de ton œil à toi? Un drame, c'est un drame. Celui qui le vit souffre, c'est certain. Mais on ne peut pas aider quelqu'un tant et aussi longtemps que ce n'est pas eux qui demandent. Parce que beaucoup de gens, des fois, m'écrivent, vous devriez aller voir telle mère, là, par exemple, parce qu'elle vient de perdre son enfant à cause de telle chose. Mais moi, je ne peux pas me présenter à la mère. Il faut que la mère me le demande. Mais je suis toujours disponible. J'ai vu beaucoup de mères de criminels, mais c'est toujours à leur demande que je les rencontre. Et dans le fond, tout ce que je peux faire pour elle, c'est d'être une écoute. Mais il y a beaucoup de gens qui m'écrivent parce que
Aujourd'hui, avec Facebook, avec Messenger, avec toutes ces choses-là, c'est facile de rejoindre quelqu'un. Et souvent, on m'écrit, ce que je fais, je donne toujours au moins une fois à quelqu'un une heure pour les écouter si je me trouve dans la même ville et si je peux le faire à ce moment-là. Puis ensuite, je les dirige vers des ressources. Puis ça, Denis, j'imagine que pour les personnes qui continuent après Monique à vivre des drames de cette ampleur-là, comme l'exemple que je donnais à l'éditeur Carpentier cet été, j'imagine que des personnes comme Monique deviennent des ressources inestimables puisqu'elles sont sans jugement parce que, bon, on s'entend-tu que, comme elle, à qui elle aurait pu se confier à part un professionnel, mais dans la société, là, tu sais, elle n'aurait pas pu aller voir monsieur, madame, tout le monde là, pour étaler sa peine. Là. Mais c'est encore une fois, c'est rattaché un peu à la Renaissance. C'est-à-dire, il y a un texte qui dit que par la consolation dont je suis l'objet, je suis maintenant capable de consoler ceux qui sont abattus. Donc, les gens qui ont les souffert, mais Paul aux Corinthiens, premier chapitre, si ceux qui ont vécu des tragédies, ça vaut un cours universitaire, hein? OK? Parce qu'encore une fois, même chez les professionnels, si tu n'as pas eu un vécu trop douloureux, tu connais les concepts, tu connais les notions, tu connais les étapes, les processus, mais c'est pas ça qui soulage une personne, c'est la communion, c'est le fait de sentir que l'autre personne nous comprend parce qu'il y a un vécu partagé dans cette situation-là. Et moi, ce que je crois, c'est ce à quoi je travaille depuis plusieurs années maintenant, c'est que les gens, moi je crois à la solidarité humaine. Je crois que dans les tragédies, d'ailleurs on le voit, tu parles des petites cartes, regarde comment les gens réagissent quand il y a des drames, il y a plein de bonté, de d'amour et d'affection qui est répandu, parce qu'à l'intérieur de chacun de nous sommeille aussi cet aspect-là. Ouais. Il y a un grand élan de solidarité. Une grande solidarité. Et moi je crois que les gens doivent canaliser cette solidarité-là et commencer à prendre soin les uns des autres, se supporter les uns des autres, parce que il va toujours avoir une limite à ce que des professionnels peuvent faire. Moi, j'étais dans cet univers-là pendant toutes ces années et je n'étais pas dans le système de santé, là, mais dans le système, il y a des quotas, il y a des échéanciers, il y a des impératifs financiers et tout ça devient tellement lourd et ça devient un peu comme artificiel. Quand je dis ça, je ne méprise pas. Là. Je dis juste que c'est une machine, hein, c'est un système, c'est tout ça. Et qui fait qu'à quelque part, ben la fibre humaine, la fibre chaleur humaine, la fibre compréhension, ça se perd au détriment de toutes ces dimensions-là. Ça, sans qu'on le demande, hein, parce que moi, je me rappelle très bien, à l'époque où c'est arrivé, je travaillais pour une association d'établissements, on n'était pas nombreux là-dedans, et quand il y avait des journalistes ou des gens qui venaient pour me voir, là, les gens faisaient comme une muraille autour de moi pour pas que je sois envahie. Ah oui, vraiment, on me protégeait. Puis c'était la même chose à l'hôpital, là, je veux dire. Il n'y a pas personne qui pouvait arriver jusqu'à moi. Il y avait comme une force. Fait qu'au début, il y a eu la réaction inverse des gens. C'est-à-dire, les gens, tu disais qu'ils étaient bêtes, bon, tu sais. Ma perception. Ta perception. OK. Oui. Mais est-ce que c'est le temps, tu penses, qu'il a fait, ou de te connaître peut-être plus intimement, Monique, qui a fait que la perception des gens ont changé envers toi? Mais ça a pris du temps, hein? Ça a pris beaucoup de temps. Puis encore aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'ai eu beaucoup de gens qui ont été méprisants à mon égard, mais ça m'est arrivé à quelques occasions de... Alors, il faut apprendre à réagir devant ces gens-là aussi. Puis tu réagis comment, toi? Bien, je vais vous donner, par exemple, un exemple. Un jour, je fais de l'aquaforme pour garder ma santé. Alors, un jour, je suis dans la piscine, puis j'ai été passée à la télévision la veille. Donc, il y en a une qui m'a reconnue, puis elle me pointe comme ça, puis elle dit. Puis là, je voyais qu'elle parlait à la consoeur, puis elle me pointait comme ça, tu sais, en voulant dire, c'est elle, là, la mère de Marc Lépine, tu sais. Alors, dans ma tête, je me disais, bon, qu'est-ce que je fais? Deux choses que tu peux faire. Soit que j'arrête mes cours parce que je dérange ou qu'il y a des gens qui vont parler contre moi, même devant moi. Ou alors, je vais dire bonjour à cette femme-là encore d'une façon encore plus chaleureuse jusqu'à temps qu'elle change, elle, de comportement. Puis c'est ce que j'ai décidé de faire. Plus je la voyais, plus je disais un beau bonjour, un beau sourire, puis j'étais en
Vraiment, je ne voulais pas laisser mes cours parce que ça me faisait du bien. Mais c'est assez étrange. Quand quelqu'un est déplaisant vers toi, il y a toujours quelqu'un d'autre qui va venir comme faire une balance. Et puis, il y avait une autre femme dans la piscine qui a été témoin puis qui vient me donner des paroles de valorisation puis me dire que ce que j'avais dit à la télévision, que c'était très bien. Alors, c'est comme s'il y avait toujours une balance, une compensation. Puis ça, Denise, c'est un bon moyen, ça, de prendre que d'aller au-devant de l'autre personne? Parce que la fuite, là, ça, bon, on fuit. Bien sûr, des fois, on n'a pas le choix de fuir si on est en danger, là, mais... En fait, il faut affronter tout ça parce que c'est là qu'on apprivoise, on démystifie des choses. Parce que, Monique faisait allusion, tout se joue dans la tête, hein, tout se joue dans notre pensée, dans notre perception, notre interprétation de ce qui arrive et tout ça. Et le fait d'affronter, ça démystifie tout ça. Alors, ce qui peut arriver, c'est qu'il peut y avoir un changement chez une personne, où elle va se changer en une personne un peu méfiante ou un peu... tu pourrais me poser comment tu sentais la femme qui pointait. Ouais, je te sentais mal élevée. Mal élevée. Ouais. OK, puis petite personne, petite gens, c'est du petit monde dans ce monde, où elle se met à changer, puis là, tout d'un coup, il y a un lien qui s'est créé, ou simplement, ça fait simplement te confirmer que des personnes sur Terre qui sont, parce que c'est ça la réalité de l'humanité aussi, là, il y a des gens qui sont tournés vers le mal. Et à ce moment-là, on est en paix aussi avec ça parce qu'on est confronté à la réalité. Okay? Donc, on doit appréhender ça, Denis, de se faire virer de bord, de se faire pointer, on doit appréhender ça. Bien, ça dépend de ce que tu entends par appréhender. Là, je dis, il faut garder l'esprit. Mais on doit s'en attendre. Absolument, absolument. C'est sûr que ça va arriver. C'est comme dans les deuils ou dans la perte de quelqu'un. Quand on passe au travers d'une crise dans notre vie, il y a deux choses. Il y a un phénomène bizarre qui se produit. C'est ceux de qui on s'attend qu'on ait un support, souvent ne sont pas là, ils disparaissent. Et ceux qu'on ne s'attend pas apparaissent. Je les appelle les anges avec des ailes cachées. Et si on s'attarde à ceux qui sont pas là, ou ceux sur qui on avait des attentes qui ne sont pas présentés à nous, ben on va rester frustré, amer et tout ça. Mais lorsqu'on tout de suite on relâche, puis on s'aperçoit que quelqu'un d'autre se pointe pour un temps, pour une période, et on ne s'attendait pas. Puis c'est un petit temps. Comment on va interpréter ça, que ceux de qui on s'attendait à recevoir de l'aide ne vous la donne pas. Comment on doit interpréter ça? Ben, premièrement, ça permet de révéler qui ils sont réellement. Là, okay? Des épisodes comme ça, tu sais, on est beaucoup plus proche de la réalité dans un salon funéraire qu'en dehors du salon funéraire. parce que là, il y a un jeu qui se joue plus. Là. Fait que ceux qui sont un peu nuls, ça se voit, ils font des niaiseries. Puis ceux qui sont plus sérieux et touchés, ça apparaît aussi, tu vois. Donc, des fois, c'est véritablement une pièce de théâtre. On a tous connu des scènes dans nos propres familles où quelqu'un apparaît en plein milieu comme ça. Donc, ça permet de discerner tout cela. Et aussi, c'est que des tragédies ou de la perte, ça met en lumière toutes les vulnérabilités d'une personne. Puis il y en a qui ne savent pas composer avec ça, OK? La force ou le bénéfice de la souffrance, c'est que ça nous permet... d'appréhender la vie de façon différente, OK? Souvent, les gens, peut-être tu t'es fait poser la question, Monique, est-ce qu'après une tragédie comme ça ou n'importe quelle tragédie, on peut revenir à la normale? La réponse, c'est un, c'est quoi la normale? Et deux, est-ce qu'il existe quelqu'un de normal, sa planète? Et troisièmement, non, ça ne reviendra pas à la normale. On va être différent, mais ça ne veut pas dire que la vie va être plus mal en point, tout ça, quand on s'en sort. Mais... Encore une fois, je crois que la vie est plus belle dans un contexte comme ça que dans un contexte de superficialité. Okay, là, on n'a plus rien à cacher quand on est passé au travers des moments comme ça. Hein. Toi, Monique, à la Terre, avec ce que vient dire Denis, que non, on ne revient pas comme avant, mais on revient différemment. En quoi es-tu différente aujourd'hui qu'avant le 6 décembre 89? Avant, j'étais une personne très arrogante. Ça m'a baissé le caquet un peu, oui. Disons que quand arrivent des drames, tu apprends à vivre une journée à la fois. Alors moi, mon but dans la vie, c'est je me lève le matin, merci Seigneur pour cette journée qui vient, et je pense à cette journée. Et
vraiment entrer en relation avec les gens que je rencontre dans la même journée. Le lendemain, j'y pense pas trop. L'autre chose, c'est que quand arrive, on a des façons de réagir. Il y a des gens qui disent, aujourd'hui on parle beaucoup de résilience. Mais c'est quoi la résilience? C'est quand tu es capable de te relever de coups durs. Mais moi, c'est sûr que mes enfants, ça a été des coups durs, mais ce n'était pas mes premiers coups durs. Toute ma vie, moi, mon caractère s'est développé à affronter des coups durs. Tu sais. Mais ceux-là étaient de taille, là, par exemple. J'aurais pu m'effondrer, mais ma foi ne permettait pas que je m'effondre. Et le Seigneur a dit, fortifie-toi, prends courage. Ça veut dire quoi? C'est que quand tu es effondré, ben, tu vas prendre tes forces ailleurs. Tu vas les prendre en lui, tu vas aller chercher. Moi, je me nourris toujours de la parole de Dieu tous les jours. J'ai besoin vraiment de lire la parole de Dieu puis de suivre un chemin qui m'est montré. Et, mais est-ce que tu savais, toi, que tu avais cette force-là avant? Ben, j'ai toujours été une femme très déterminée, oui. Depuis très jeune, je suis déterminée et quand je veux aller vers quelque chose, je prends les moyens pour y arriver. Mais le courage, c'est une force surnaturelle qui t'est donnée, ça. Quand on lit 1 Corinthiens 10, 13, il n'y a pas de tentation ou d'épreuve qui vont être au-delà de nos forces. Mais Dieu va nous donner le moyen d'en sortir pour qu'on puisse la supporter. Donc, on n'aura jamais des épreuves qu'on ne peut pas supporter parce que Dieu nous connaît et Dieu sait ce qu'on peut supporter. Mais ce que j'aimerais mettre l'emphase dessus, c'est que ces épreuves-là, c'est vrai que c'est difficile, mais on est appelé à avoir des tribulations hein, dans ce monde. Alors, il faut savoir pourquoi je vis. Est-ce que c'est pour ce monde-ci ou c'est pour un monde meilleur qui va venir quand je vais mourir? La vie éternelle, par exemple. Alors, moi, j'ai choisi de vivre pour cette vie éternelle. Donc, aujourd'hui, quand il y a des épreuves, c'est souvent un tremplin pour quelque chose d'autre, pour une mission que tu vas accomplir dans ce monde. Puis, si j'avais pas eu mes enfants qui étaient décédés, je serais même pas devant vous aujourd'hui. Je serais peut-être en train de me bercer là, devant ma fenêtre, comme font beaucoup de gens. Moi, j'ai quand même 82 ans là, aujourd'hui. Alors, je pourrais être devant ma fenêtre à me bercer, là, tu sais. Mais c'est pas ça que le Seigneur a voulu pour moi. Il a voulu que je me lève, que je parle de ce que j'ai vécu. Puis quand je fais, par exemple, des conférences aux étudiants en criminologie, j'y vais souvent, chaque année, ils n'ont jamais vu de parents de tueurs. Donc, ils ont juste une portion de la vérité. Ils voient les tueurs, ils voient les criminels, mais ils ne voient pas les parents. Donc, moi, c'est un peu ce que, si tu veux, ce que le Seigneur me demande de faire, c'est d'aller parler, ouvrir le sujet pour qu'ils voient que finalement, on est pareil comme tout le monde. Hein? On a nos luttes et ainsi de suite. Mais il faut oser vivre sa vie, quelle qu'elle soit. C'est pas toujours agréable parfois, mais la souffrance ne dure pas toujours. Et puis, tu peux trouver d'autres choses qui vont être aussi agréables. Aujourd'hui, je n'ai plus d'enfants biologiques, mais j'ai énormément d'enfants et de petits-enfants qui sont aux autres, là, si vous voulez. Un jour, il y a une dame que j'ai accompagnée qui vivait un drame pas semblable à Monique, quelque chose de différent. Puis elle m'a dit, il y a des vérités fascinantes que les gens expriment dans les moments de souffrance. Elle a dit, je viens de découvrir que les bénéfices de la souffrance durent plus longtemps que la douleur en elle-même. Là, je dis, wow, c'est une perle, OK? Parce que dans la souffrance, on ne voit pas ça, mais après, on s'aperçoit qu'il y a des bénéfices dans tout ça. Il y a une transformation, il y a une sensibilité accrue qui est positive. Là, c'est pas le fait d'être hypersensible à tout ce qui se produit. Il y a, encore une fois, je reviens à plus humain, plus une humanité qui réapparaît où les vraies questions se posent, les vrais sentiments se transmettent. On est plus dans le jeu, parce que beaucoup de gens vivent le jeu de la vie. Là. Je prends l'exemple au travail. Au travail, personne ne se livre dans sa réalité intime. Hein. On n'est pas là pour ça non plus. Mais on est là un peu à côté de la vie. Il arrive des situations comme ça où, à ce moment-là, ça nous ramène sur le véritable chemin. Et pour toi, c'était ça, Monique? Ben oui, écoutez, ma vie est très intéressante aujourd'hui, je dois dire, tu sais. Parce que... Est-ce qu'elle est plus qu'elle était avant, Monique?
Bien, elle est différente. Okay. Elle est différente. Je pense qu'on a des saisons dans la vie, puis il faut juste saisir ces saisons-là et puis les vivre, finalement. Ma vie aujourd'hui, je voyage à travers le monde, mais pas présentement à cause de la COVID. Mais je voyageais. Je le faisais avant. Ça je voyageais. Ça m'a amené partout. Hein. J'ai été même jusqu'en Asie. Pourquoi? Parce que la souffrance n'a pas de frontières, elle n'a pas de nationalité. Hein. Qui que nous soyons dans ces parties du monde, la souffrance, les émotions, on les vit tous. Ils ont peut-être des formes différentes, mais on les vit tous. Hein. Et puis, je me suis aperçue que beaucoup de gens souffraient, beaucoup de gens. Et puis, parfois, juste d'être là, d'être en vie, d'être debout, puis de continuer à avoir la joie. Parce qu'il y a des gens qui s'imaginent qu'on ne peut pas avoir la joie si on est dans la souffrance. C'est complètement faux. Parce que le Seigneur renouvelle nos forces. Il nous donne la joie de continuer, même si on a peur, puis même si il y a toutes sortes de choses. Mais quand il ouvre une porte, c'est pas juste une petite porte, c'est une grande porte. J'aurais jamais fait ça. Je pensais même pas que j'étais capable d'écrire un livre. Pourtant, je l'ai fait. Il y a toutes sortes de choses que je fais maintenant que je n'aurais jamais imaginé faire auparavant. Donc, ça te fait découvrir une autre Monique. Ça te fait peut-être pas une autre Monique, mais je veux dire... Un autre aspect. Là. Un autre aspect de Monique. Aller chercher des ressources qui étaient à l'intérieur, qui n'avaient pas été exploitées. Comme l'écriture. Comme l'écriture, comme pas mal de choses. Puis aujourd'hui, Monique, est-ce que dans ton livre, c'est écrit... Oser vivre après une tragédie. Exact. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que tu oses vivre? Je pense que oui. Si j'ai regardé ça, là, à la fin de mon livre, j'ai fait un petit résumé de combien de pays et de conférences j'avais fait depuis les dernières 30 années, ben, c'est-à-dire plus depuis 2002, là. 18 ans, en tout cas, comptez, là. Ouais, je suis pas tellement bonne en chiffres, là. Une fois, j'étais comme ça, puis j'essayais de donner une date, puis il y avait un petit autiste juste dans les premiers rangs. Puis à chaque fois que je disais une date, puis que je me trompais, il me disait « Non, 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 c'est pas ça! » Aïe, aïe, aïe! Fait que j'oserais pas dire de date, là, mais disons que depuis que j'ai commencé à me lever, c'est plus difficile dans ma famille, par exemple. Tu vois, avec les nôtres, c'est plus difficile. Puis eux autres, c'est juste par les commentaires qu'ils entendent de leurs voisins, de leurs amis, qui me disent, ben finalement, ma sœur n'est pas si pire que ça. Nul n'est prophète en son pays. Moi, c'est particulier. Mais le Seigneur veut qu'on soit quand même ouvert. Mais c'est difficile de parler de choses profondes dans ma famille. Puis je dois dire qu'après 30 ans, les langues commencent à se délier. Mais avant ça, c'était plus difficile de parler de ce qu'on ressentait à l'intérieur. Parce que ce que faut comprendre aussi, que eux-mêmes étaient en deuil. Eux-mêmes, dans une certaine mesure, ont vécu l'odieux de ce drame-là aussi. Hein? Ça reste que Marc, c'était leur neveu aussi. Exact. Alors, fait que ça, c'est plus difficile. Mais aujourd'hui, il a fallu que j'envoie des lettres de demande de pardon à mes frères et sœurs, même après 30 ans, pour dire, écoutez, j'étais pas sensible à votre douleur quand moi, j'étais dans la douleur. Mais aujourd'hui, je réalise que finalement, vous avez fait beaucoup et que je n'ai pas été assez reconnaissante. Alors, la reconnaissance, c'est autre chose qui vient avec le temps. Tu t'aperçois que finalement, beaucoup de gens sont à tes côtés et t'aident et t'ont aidé, même si tu ne le voyais pas. Non, je... Puis ça, on ne le voit pas, Denis. C'est quand on s'arrête qu'on voit les choses. Hein. Quand t'es à la course, on... comme en voiture. Hein? Tu vois moins de choses à 180 km à l'heure qu'à 60 km à l'heure. Moi, je voulais savoir si Mme Lépine avait eu du harcèlement de la part des médias suite à ça. J'ai jamais été harcelée parce qu'ils sont jamais arrivés jusqu'à moi. Comme je vous ai dit tantôt, il y a beaucoup de gens qui me protégeaient. C'était comme des anges, tu sais, qui me protégeaient. Et jamais quelqu'un est arrivé à moi directement. Alors, autant les journalistes au début, je les appréciais pas beaucoup,
Peut-être dernièrement, là, il y en a des fois deux journalistes, c'est vraiment isolé. Il y en a une, par exemple, qui avait écrit dans un livre, mais c'était pas direct là pour moi en termes de harcèlement, mais elle avait écrit « Quelle sorte de mère ça prend pour mettre au monde un monstre? » Alors, peut-être que vous la connaissez, mais il a fallu à ce moment-là, c'est pas moi qui est allée direct à elle, c'est mes éditeurs du temps, parce qu'on était après écrire le livre Vive, qui ont repris la journaliste. Puis finalement, j'ai pas eu à intervenir là-dedans. Mais je prie pour elle, hein? Ah, s'est-tu rétractée de ça? Avec les éditeurs, oui. Elle a été obligée de se rétracter, mais elle le fait. L'autre, c'est qui donc? Ah oui, dernièrement, quand j'ai recommencé, là, après 30 ans, j'ai eu une entrevue radiophonique. Habituellement, j'aime pas trop ça, mais cette fois-là, je connaissais pas la personne, puis je suis allée. Puis sa première question était vraiment un peu déplacée. Il me dit, vous avez pas l'impression que vous banalisez l'événement, qu'il me dit? Ça a été sa première parole. Alors là, tout de suite, je me suis dit, mais vous, monsieur, vous avez certainement pas lu mon livre, là. Je me disais ça dans ma tête. Et puis, ça a été long pour faire l'entrevue. Je peux vous le dire que ça a été long pour faire l'entrevue, mais encore là, il y a des gens qui ont écrit à Radio-Canada pour dire, votre journaliste a été vraiment déplacé. Mais vous voyez ça, j'ai tellement étudié le monde de la perception, que pour lui, moi, j'étais vraiment là, quelqu'un qui n'était pas vraiment dans ses valeurs. Tu sais, fait que quand tu deals avec ces gens-là, ben, j'essaie de rester calme et de continuer mon entrevue dans le calme. Et puis, la seule chose qui me reste à faire, c'est de prier pour eux autres, puis de pardonner, parce que le Seigneur nous demande de pardonner, même si c'est difficile. Moi, je voulais savoir, Mme Lépine, est-ce que la souffrance vous a rapproché de Dieu? La souffrance me fait comprendre mieux comment Jésus a souffert pour chacun de nous. Mais la souffrance, on en a tous les jours, vous savez, des souffrances, en tout cas, peut-être pas de ce niveau-là, mais la souffrance, pour moi, il y avait seulement Dieu qui pouvait comprendre ce que je vivais. En tout cas, dans les premiers temps du décès de mon fils, surtout. Je ne me serais pas confiée à personne d'autre à ce moment-là, sauf à Dieu. Mais j'étais déjà dans la foi chrétienne depuis un certain temps quand c'est arrivé. Hein? J'étais pas une nouvelle chrétienne. Là. Donc, à ce moment-là, ça m'a rapprochée de lui. Au contraire, ça ne m'a pas éloignée de lui, ça m'a rapprochée de lui. Parce que je souffrais plus quand je ne connaissais pas Dieu. Moi, je veux savoir, quand c'est arrivé, est-ce que vous avez eu honte de votre garçon? Mais c'est certain que j'ai eu honte de mon garçon, des gestes qu'il a posés, hein? C'est des gestes qu'on reproche. Et c'est pour ça que quand j'ai fait le processus de la colère, parce que j'avais de la colère contre mon garçon, parce que c'est pas agréable que nos enfants nous traînent dans la boue comme ça et qu'ils prennent la vie de quelqu'un d'autre, parce qu'on les élève pas pour faire des tueurs, hein? Alors, mon garçon, puis même ma fille, j'ai dû leur écrire des lettres posthumes pour leur dire toute ma colère. Et puis, par la suite, j'ai brûlé la lettre et puis j'ai fait la paix avec eux. Il fallait que je le fasse pour être capable de continuer à vivre. Puis ça, Denis, j'attrape la question au vol parce que, justement, quand tu n'as pas l'occasion d'exprimer à la personne, parce qu'elle est décédée, toute ta colère, toutes tes émotions, ce que tu vis, c'est un bon moyen, ça, que d'écrire une lettre? Il y a différentes stratégies. Il y a la lettre posthume. Il y a parfois d'acter un peu la situation. C'est-à-dire que tu prends, on appelle ça la stratégie de la chaise vide. Tu mets une chaise devant toi, tu assis la personne dans ton esprit, puis tu t'exprimes verbalement, audiblement à la personne, et les mêmes émotions remontent à la surface, comme si elle était réellement là. Il n'y a rien d'ésotérique là-dedans, là. On peut le faire devant une photographie aussi, la stratégie, c'est de sortir ce qui est à l'intérieur. Je pense que c'est Aristote qui a dit, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ça reste à l'intérieur.
Donc, il faut trouver des façons d'évacuer ça. Idéalement, ça peut se faire même avec une autre personne, dans le sens que on libère la parole de la personne. Pour, parce que souvent, tu parlais tantôt de l'espèce d'éclipse émotionnelle que tu as vécue. Ben, le début de la guérison, c'est de pouvoir sortir et exprimer les choses. C'est comme si le silence nous emprisonne, OK? Puis il faut pouvoir briser ce silence-là. Parce que ça, c'est pas rare qu'on ne peut pas exprimer notre colère c'est totalement... à la personne qui nous a blessés. C'est quand même assez commun. Oui, c'est commun. Puis même la personne qui nous a blessés, elle n'est pas toujours réceptive au fait qu'on puisse exprimer le fait de ce qu'on a vécu avec la personne. Hein. Tout le monde... Ouais, tout le monde se protège, tout le monde tombe sur la défensive. Hein. Ouais. C'est sûr qu'on se pose beaucoup de questions, par exemple, hein, quand nos enfants font de tels gestes, puis je vous souhaite pas que ça vous arrive, mais il y a n'importe quelle chose que nos enfants font qui ne va pas avec nos valeurs, ça peut nous affecter. Mais j'ai essayé de comprendre comment mon fils souffrait probablement lui-même à l'intérieur de lui. Je n'ai jamais su s'il avait été atteint d'une maladie mentale parce qu'il n'avait pas été diagnostiqué. Mais c'est certain qu'à l'intérieur de lui, il vivait des choses difficiles, mais il n'était pas capable de les exprimer parce qu'on n'avait pas appris aux jeunes garçons puis aux jeunes filles aussi à s'exprimer sur ce qu'on l'on vivait ou l'on ressentait à l'intérieur de nous. Donc, j'ai plus mis... mon accent à essayer de comprendre ce que mon fils ou ma fille pouvaient vivre à l'intérieur d'eux-mêmes à cause de tout ce qu'ils avaient vécu dans leur jeune âge. Et ils en ont vécu beaucoup aussi. J'ai toujours su que j'étais infirmière pour aider les gens. Ça, je l'ai vécu parce que moi, je suis quand même en âge. J'ai vu mes frères revenir de la Deuxième Guerre. Et je me rappelle très bien que j'étais toute jeune, mais quand j'avais vu ce parachute dans mon salon, déjà, je savais que je voulais aider puis soigner les gens. À l'époque, je soignais des corps. Aujourd'hui, je soigne des âmes. Alors, ma mission, elle est pareille, sauf qu'elle a pris une tangente différente. Elle est plus en profondeur maintenant qu'elle l'était autrefois, parce que à cause des souffrances, tu vas faire une introspection, et tu vas réfléchir justement, et puis que tu vas t'intéresser plus à la personne qui souffre. Avant, je regardais plus une plaie, et ainsi de suite. Aujourd'hui, je regarde la personne. Donc, la mission, elle prend une autre forme, peut-être plus en profondeur, mais elle est toujours celle d'aider et de soigner. Moi, je veux savoir, quand notre enfant décède, on veut toujours en parler, on voudrait que la terre entière le connaisse. Vous avez dû vivre le deuil de Marc, qui tourne en secret. Quels sont les moyens que vous avez déployés pour passer à travers tout ça? Pendant 7 ans, pendant que ma fille était vivante, je n'ai pas vécu le deuil de mon fils. C'était trop public, trop médiatisé. Mais un jour, quand j'ai perdu ma fille, par la suite, dans ma communauté, il y avait des cours sur le deuil, l'approche du deuil. Et puis, c'était sur une période échelonnée sur 10 semaines. Et j'étais allée voir la psychologue qui donnait ces cours-là. Je voulais pas m'inscrire juste comme ça, mais j'étais allée la voir. Je lui ai expliqué qui j'étais. Je disais, est-ce que je pourrais vous aider dans les groupes de deuil? Puis, en même temps, ben, je vivrais mon deuil. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai aidé dans des groupes de deuil pendant plusieurs années. Et c'est là où ça m'a permis de comprendre toutes les étapes, parce qu'il faut connaître les étapes de deuil pour essayer de voir comment toi, tu réagis dans ça. Parce que souvent, on pense qu'on est les seuls à vivre ces choses-là, mais tout le monde qui passe par le deuil va vivre les mêmes étapes avec des formes différentes. Alors, ça m'a aidé, ça. Puis j'ai lu aussi, à l'époque, on utilisait la démarche de M. Montbourquette, là. Et puis, j'ai lu beaucoup d'autres livres sur le deuil, parce qu'il y a plusieurs approches, plusieurs méthodes. Et puis, finalement, elles se regroupent toutes à la fin. C'est qu'il faut que tu passes par les étapes et puis que tu libères tes émotions. C'est la période la plus difficile. Puis quand tu n'es pas capable tout seul, tu vas voir un psychologue. On va voir Denis Moxie. J'en profite pour annoncer ta nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Tranche de vie.
Monique Lépine, Tranche de vie. Monique Lépine, Tranche de vie. Où ce que justement, Monique, tu parles de ça, les étapes du deuil, où ce qu'on parle de... Bon, on disait la colère, le déni, quoi d'autre que tu peux l'entendre? J'ai commencé par mon témoignage et puis à date, on en a fait deux autres. Un sur le deuil, puis l'autre sur les émotions avec une autre approche qui s'appelle le FIER. Connaissez-vous le FIER? Non. Vous irez voir mon vidéo. Mais là, on ne peut pas attendre, Monique, là. Dis-nous-le. FIER, c'est un acronyme qui dit le F, c'est les faits, les événements qui nous arrivent, qu'on ne choisit pas, ça nous tombe dessus. Donc, c'est ce que l'on vit. Le I, c'est l'interprétation. Le I, c'est la petite idée que l'on se fait. Et on l'a apprise dans notre famille. Et pour des fois, ça peut être un préjugé que l'on a. Des fois, ça peut être une opinion. Des fois, ça peut être une perception, justement, de l'événement. Le E, bien évidemment, les émotions. Et le R, c'est la réaction que l'on a dans l'émotion. Et en tant qu'être humain, le seul pouvoir que l'on a, c'est la réaction. Je peux choisir de bien agir ou de mal agir face à l'événement ou face à l'émotion que je vis. Et puis, évidemment, la réaction va avoir un comportement qui peut être agréable ou désagréable selon les circonstances. Non, mais je suis fier de vous, madame. Et ça vient de M. Auger. Lucien? Oui. Ah. Monique Lépine, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Denis, merci aussi. Ça a été très bénéfique d'avoir encore une fois ton nom.